chaîne de Mister Mister à peu près. Aujourd'hui, dernier jour d'entraînement de la semaine pour moi, parce que boulot avant la R1. Voilà, je suis bien content. Il y a Romain qui est passé, qui a pêché un peu. On a un peu tchatché, j'ai un peu fait mon bazar. J'ai un peu fait mon bavard. Je vais tourner autour, je vais filmer. Voilà, c'est cool. Merci Romain. Voilà, c'était cool de te voir. Oui, bon, la pêche est compliquée aujourd'hui, ça fait un moment que je pêche. 16 poissons, heureusement que Romain est parti, du coup j'ai plus de touches maintenant. Voilà, c'est pas comme toutes les journées que j'ai passées ici avant, c'est bizarre. Voilà, mais c'est comme ça. Et je vais vous faire voir un peu le bazar que j'ai sur ma table quand même. Bon, voilà, les gourmandises. Hein. Tec tec, la petite amorce que j'ai presque fini. Quelques gauzeurs noyés et congelés. Quelques rouges. Ah, le beeper qui sonne. Donc voilà, vous voyez, hein, j'ai pas beaucoup de poissons, hein. 16 et 7, c'est le nombre de touches que je ratais, que je comptais au début, mais je les compte plus. Et ben voilà, deuxième cage, 55 mètres.
enfin une partie de pêche qui se termine. La dernière avant mon championnat de R1. Bon, bah, vous l'avez bien compris, hein. Quand on est tout seul, la pêche, c'est toujours plus facile. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à toutes les fois où je suis venu ici. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. Je ne sais pas dans quel sens je vais les publier, mais en tout cas, vous les regarderez peut-être toutes ou pas. En tout cas, aujourd'hui, je me suis éclaté. Voilà. La pêche a été compliquée, hein. Les poissons ont mis longtemps à venir. J'ai commencé avec un baligne en 10 centièmes avec un hameçon de 18. Après, je suis passé sur du 10 en hameçon de 16. Et puis, je suis passé sur 14 centièmes sur un hameçon de 16. Et après, quand ça a commencé à enquiller, je suis parti sur un hameçon de 12 sur un baligne en 14 centièmes. Et là, ça a treuillé à fond les ballons. Voilà. J'ai mis beaucoup de bouffe. Voilà. J'ai fait un coup à 50 mètres. J'ai balancé deux cages et j'ai pris un gros poisson. Enfin, j'ai pris une belle plaquette. Voilà, mais j'avais la flemme. Je suis revenu sur mon coup à 30 mètres. Et là, j'ai fait ma pêche à 30 mètres. Voilà. Les deux dernières heures, en fait, j'ai fait que m'amuser à tirer les poissons. Voilà. Et quand j'ai changé de cage, j'avais une cage une ISA de 30 grammes. Je suis passé sur une Preston Mesh, je crois, plastique distance de 40 grammes. Et alors là, tout a changé, hein. Voilà, j'aurais dû essayer avant, mais bon, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand vous regarderez tout ça, ben, j'aurai eu le résultat de la R1. Romain est passé, il a pêché, on a bien discuté, c'est bien cool. Voilà. N'oubliez pas d'aller voir les articles sur pêchefeeder.com et de vous inscrire sur Rivière Feeder et compagnie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche.